Bonsoir, Monsieur le Premier ministre de la République du Cameroun, Tif Joseph Dr. Dion Goutti. Je suis Auréole Choumé, journaliste camerounais et jeune entrepreneur depuis deux ans aujourd'hui dans le domaine du print, la communication digitale, les supports de communication. Monsieur le Premier ministre, en passant il y a deux jours, euh, vendredi dernier notamment, devant l'endroit CCC, j'ai fait le constat selon lequel l'entreprise CCC qui est en cessation d'activité depuis. Euh, presque cinq ans et peut-être plus aujourd'hui, a cédé une bonne partie de ses installations à des Chinois qui ont déjà fait un branding. Ça va s'appeler euh, China Minimal. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous demander de quoi cela participe-t-il finalement dans ce pays Qu'est-ce que vous attendez de nous les jeunes Qu'on continue comme ça Qu'on continue comme ça de regarder notre pays tomber aussi bas, voler aussi bas Qu'est-ce que vous attendez véritablement que nous fassions mais dites-moi, dites dites-moi, excellence, qu qu'est-ce qu que nous, qu'est-ce que nous là, nous, les jeunes enfants, qu'est-ce que nous on doit faire finalement dans notre pays Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que ça veut dire le China Minimal Ça veut dire que depuis deux ans, les Chinois ont mis sur le marché beaucoup de produits, les accessoires dans les domaines de la mode, de la cuisine, un peu partout. Et ce sont des accessoires access, des qui ne coûtent pas cher, donc c'est facile de se les procurer. Et maintenant, les jeunes Camerounais ont compris que sur la plateforme Alibaba, ils peuvent faire des achats en Chine, faire arriver, faire transiter sans Cameroun par des cargos et revendre. Vous allez voir des euh, euh, sumo slicers, vous, avez, vous allez voir des... des... Il, y a, il y a plusieurs accessoires, Monsieur le Premier ministre, je, je ne peux pas tous les énumérer, les limes couteaux, les, les, les jeux de couteaux, les jeux d'assiette les jeux de marmite et tout. Et c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais qui étaient déjà au bord du gouffre ont compris qu'ils pouvaient simplement faire des achats. Quand vous achetez en Chine et, et, et vous payez votre transport, l'article qui vous est revenu à peut-être 10 000 francs, vous allez revendre à 12 000 ou à 13 000, vous avez 3 000 de bénéfices. Donc quand vous multipliez comme ça, vous avez de quoi payer votre loyer, payer l'école des enfants, payer les, les charges telles que la lumière, l'eau et autres, et pouvoir quand même euh, vivre dignement. Mais monsieur le ministre, les Chinois qui ont donc compris, monsieur le Premier ministre, je vous en prie, qui ont donc compris, les Chinois qui ont donc compris que... C'est un marché ouvert, accessible. On a décidé de stopper cela et de venir s'installer eux-mêmes pour vendre au détail. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions Moi, je vais aller en prison. Ça, je vous le dis, Excellence. Je vais aller en prison parce que je vais finir par me rébeller. Et dans quelques jours seulement, ça ne mettra pas beaucoup de temps. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Vous prenez le domaine des habits. Les Libanais, les Indiens sont à quoi? Ils ont pris, c'est eux qui dominent au marché du détail. Les, les, les polos, les t-shirts et tout. Je fais dans la sérigraphie. Ce n'est pas possible aujourd'hui de gagner un marché. Les Chinois ont gagné jusqu'au marché des, 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 des partis politiques au Cameroun. MRC, RDPC, ce sont les Chinois qui dominent. Ce sont les Chinois qui livrent au Cameroun. C'est pas normal. Mais on ne on, on s'en plaint pas. On se dit, OK, au moins, il y aura toujours un petit secteur où on peut glaner un petit quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, ce n'est même plus possible. Vous prenez le marché des banderoles. Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus possible. La, la, la plaque de la Direction générale des impôts à Yaoundé sur le bâtiment, les deux enseignes là, c'est fait par MCP, matériel chinois de publicité. C'est fait par MCP. Donc, moi, Tumi, je ne peux pas gagner un marché à Yaoundé d'une enseigne d'un de, 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 établissement ou même de la primature. Je ne peux pas. C'est le Chinois qui va le faire. Et on va me dire que, écoute. Ce que le Chinois fait à 100 000, toi tu vas faire à 150 000. Mais monsieur le Premier ministre, si le Cameroun me donne 50 000 francs, c'est tuant C'est tuant si mon pays me donne 50 000 Qu'est-ce qu'on veut finalement que les jeunes font Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Et quand on va se rebeller, vous avez l'administration territoriale et d'autres ministères qui vont dire que voilà une incitation à la révolte. Voilà une incitation à la révolte. Comment on va faire, monsieur le Premier ministre Je vous ai tout pris. Les godasses, ce sont les Libanais, les Chinois. Aujourd'hui, même les assiettes, même les ustensiles de cuisine, c'est eux qui viennent vendre au détail. Excellence, je suis né dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. Mais j'ai choisi de ne pas mourir dans la pauvreté. Mais ce n'est pas mon pays qui va m'empêcher de pouvoir vivre dignement, de pouvoir payer un petit loyer, de pouvoir inscrire les enfants. J'ai une fille. Ma fille est née. Elle est au CS. Bilingue de Tonga rural. Sa scolarité, c'est 38 000 francs en classe de quatrième. 38 200 francs. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez vérifier cette information. Elle en classe de quatrième. 38 000 francs en zone rurale. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Comment, Monsieur le Premier ministre? Si même le petit marché là, que les jeunes avaient déjà pris et parvenaient à s'en sortir, les Chinois viennent nous l'arracher sans que le pouvoir ne puisse nous défendre. On ne peut pas continuer comme ça, excellence. Protégez votre jeunesse. Vous ne pouvez plus aller acheter des, des marchandises en Chine. On vous refuse le visa. On vous dit allez voir Xiangqing, allez voir Kim Jong, allez voir euh, euh, Shaolin, allez voir Tel. Parce que les Shaolin, les Kim Jong, les Djedlil, les Jaki ils ont toutes leurs entreprises déjà au Cameroun, à Bastos, à, à Douala, à, à Yaoundé, partout. Bafoussam, ils sont déjà installés. On vous refuse le visa. Si vous voulez aller acheter quelque chose en Chine et qu'ils ont déjà, on va vous envoyer chez eux. Mais nous, personne ne nous protège. On va aller où On va aller où, monsieur le Premier ministre Excellence, c'est un fils de la République qui vous parle. C'est un fils de la patrie qui vous parle. Excellence, vous êtes en train de nous pousser à commettre l'irréparable pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour nos vies. Et on, on, va, on va facilement y arriver. On va facilement y arriver. Donc, moi, ce que je vais faire devant ce minimum-là, dans moins d'une semaine, peut-être quatre jours, je vais aller m'asseoir là-bas et faire ma grève de la faim. Je vais aller m'asseoir devant ce mini-mall. On ne peut pas. Que les Chinois font le gros, oui. Qu'on achète des machines en Chine, oui. Mais que vraiment les Chinois viennent déjà faire le détail au Cameroun. Parce que les Libanais font du détail. Parce que les Indiens font du détail. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, Excellence. On ne peut pas. On ne peut pas, Excellence. S'il vous plaît, le Père. S'il vous plaît. Je vais me mettre à genoux. Excellence. S'il vous plaît. Sauvez-nous. Sauvez-nous, Excellence, je vous en prie, sauvez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes ce que vous appelez le fer de lance. S'il vous plaît, Excellence, je suis à genoux. Je suis à genoux, sauvez-nous. S'il vous plaît, Excellence, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, c'est un fils du pays qui vous a fait, qui vous envoie cette vidéo parce qu'il ne peut pas obtenir une audience pour vous rencontrer. S'il vous plaît, Excellence, je vous en prie. Sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse.